Today's words of wisdom, we connect with the almighty power to become whole, will be presented in English and French, with subtitles in Arabic, Olaxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish and Urdu. La Belgique, un petit pays européen, voisin de la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, est riche en culture. Il y a en Belgique trois langues officielles, le néerlandais, le français et l'allemand. L'anglais y est aussi couramment parlé. La Belgique est aussi célèbre pour ses beaux-arts et son architecture. Le pays a assisté à l'essor de grands mouvements artistiques qui ont profondément influencé l'art européen. Les Belges apprécient vraiment la vie. En fait, beaucoup croient que la Belgique a la qualité de vie le plus élevée de toute l'Europe, et peut-être même du monde. Le pays prend soin de ses citoyens en termes de logement, de soins de santé, d'enseignement et d'infrastructures. C'est aussi un des pays les plus productifs au monde et il possède un des taux de pauvreté les plus bas. Aujourd'hui, la Belgique a l'honneur d'être le chef de l'Union européenne. De sincères chercheurs de vérité en Belgique ont invité le maître suprême Xinghai à se rendre dans leur pays et à partager sa sagesse et ses idées sur le royaume de Dieu. Leur requête fut gracieusement acceptée en 1993 quand le maître suprême Xinghai fit une halte dans ce pays lors de sa tournée mondiale de conférences. Veuillez vous joindre à nous alors que nous nous rendons en Belgique et écoutons une conférence du maître suprême Xinghai intitulée Se reconnecter au pouvoir tout-puissant pour devenir complet, donné le 29 avril 1993 à Bruxelles, en Belgique. Avons-nous raison de penser que l'homme sans conscience, c'est-à-dire celui qui ne prie pas, qui ne vénère pas Dieu, est un homme primitif? There are many kinds of prayers. Il y a différentes, nombreuses façons de prier. Sometimes people pray inside. Certaines fois, on peut prier à l'intérieur. Not to go to the church. Et on ne doit pas aller à l'église. Or you cannot say that it's not praying. Et on peut dire que ce n'est pas une prière. So we have to know the man from inside, not from the outside. Il faut donc connaître les choses de l'intérieur et pas de l'extérieur. There are some people who go to the church, but not as sincere as the man who stay home, take care of his family, but pray God inside his heart. Quelquefois, il y a des gens qui vont à l'église mais qui n'ont pas la sincérité, qui ne n'agissent pas bien vis-à-vis de leur famille et chez eux. Comment aider les enfants à ne pas être contaminés par la vie moderne? Télévision, drogue, paresse, arrogance, etc. Tout en respectant leur soi-disant libre arbitre. Merci. You can help them by selecting for them what is best from the television and from the environment. Vous pouvez les aider en sélectionnant pour eux le meilleur pour la télévision ou ce qui est dans leur environnement. So they can also have the freedom to watch television, but not the freedom to choose the bad program. Ils auront donc la liberté de regarder la télévision, mais sans regarder pour ça des mauvais programmes. Freedom is not always the best for the children who have not yet enough intelligence. La liberté n'est pas toujours la meilleure chose pour les enfants qui n'ont pas suffisamment d'intelligence pour choisir. When they grow up, you give them more freedom. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, à ce moment-là, vous pouvez leur donner un peu plus de liberté. And above all, if you lead a life of exemplary virtues and goodness and beauty, then the children will learn from you.
Mais ce qui est le plus important, c'est que si vous menez une vie de vertu, une vie de bonté, vous serez alors un exemple et vos enfants pourront apprendre et suivre votre exemple. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois tout à fait à la science. Pourquoi ne peut-on pas faire des adultères quand on applique l'illumination? It's not that I forbid you, it's the neighbors who don't like it. Ce n'est pas que je vous interdis, c'est votre voisin qui ne l'aime pas. Oui. Si vous avez une affaire avec votre voisin, la femme de le voisin, c'est lui qui n'aime pas. C'est pas moi. Enlightenment doesn't mean that we should cause a suffering and unhappiness to other people when we can have choice to avoid it. L'illumination ne signifie pas que nous pouvons causer de la souffrance aux autres entre nous parce que nous avons un choix. It's not forbidden. It's a sense of common protection to each other. Ce n'est pas une interdiction. C'est une sorte de protection commune pour les gens qui sont autour de nous. That what we don't like, people do to us, we don't do it to others. Et par conséquent, ce que nous ne voulons pas que les gens fassent à nous, nous ne le ferons pas aux autres. Yeah. Beaucoup de fêtes religieuses débutent par l'immolation d'un agneau, chèvre, etc. Déjà Jésus-Christ et ses apôtres. Je trouve cela un crime. Because they misunderstood teaching of the masters like Jesus or Buddha or Mohammed. C'est parce qu'ils ont mal compris les enseignements de maîtres comme Jésus, Bouddha ou Mahomet. So the answer is enlightenment. Et par conséquent, la réponse, la solution, c'est l'illumination. And non-violent life, non-violent type of life. Et une vie qui ne sera pas violente. Live and let live. Vivez et laissez vivre. Maître, que pensez-vous de l'atroce guerre qui se déroule en Yougoslavie? There is war in many other countries as well. La guerre est dans bien d'autres pays aussi. It is the effect we have to suffer from the cause of too much killing on other beings, killing other beings. C'est donc les effets ou les résultats que nous payons à cause de la mort qui était de la tuerie en fait faite à d'autres êtres. Sometimes killing each other. Quelquefois on se rend en tuant. As in some other previous life. Dans des incarnations passées. So when we come back to this life, we are born in some country that there is war, there is suffering, etc. Par conséquent, lorsque nous renaissons à nouveau, nous sommes dans un pays où il y a des guerres et des atrocités. That's what the Bible says. As you sow, so shall you reap. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la Bible, ce que vous semez, vous le récolterez. Not only in Buddhist scriptures. Ce n'est pas seulement dans les écrits bouddhistes. En phase de méditation, on s'aperçoit soi-même en méditation, mais comme si on était au plafond.